matin! Alors, aujourd'hui, on récidive. On fait au déjeuner. En fait, il est 9h du matin. Catherine, vous l'avez vu, elle dort encore. On fait encore du pain perdu, mais cette fois-ci, avec du pain maison que j'ai tranché épais. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je l'ai laissé sécher un petit peu. Et ce que ça fait, c'est que le pain est plus absorbant. Fait qu'il va absorber plus de la recette de pain de lait et d'œuf. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Étienne, lui, Olivier, lui, est à moitié tout nu. Étienne, tu parles au téléphone? Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Que se passe-t-il? C'est qui au téléphone? Tu veux te voir? Un petit peu. Allô? Allô? Bye-bye! Bye-bye! À tantôt! À tantôt! Oui? Bonjour la dormeuse! Comment ça va? Bien. Qu'est-ce que tu es en train de manger? Ce que tu as fait, tu l'as sûrement montré. Mm-hmm. Toi, Étienne, tu trouves ça bon? C'est bon, Étienne? Ouais. C'est ça, bon. Voilà. Donc, c'est ça que ça donne. Avec du pain maison. C'est plus épais, puis les enfants n'ont pas redemandé, hein? On leur a donné l'équivalent d'une tranche chaque. Même moi, je pense que ça va être un mess. Mm-hmm. Mais. Ils ont eu pas tout à fait une tranche, ils ont eu trois. Ouais, ils ont eu trois lignes. My God, je suis tellement contente là, que tu me répondes. J'ai vraiment besoin de parler à un autre adulte. Là. Je suis plus capable. Est-ce que je filmais? Alors, merci au cook d'avoir réchauffé les pâtes et la sauce. Et fait du pain. C'est tellement difficile de faire du spaghetti. Ah, quand même. Bon appétit! Bon appétit, maman! Bon appétit, maman!